population qui puisse toucher en fait la flamme, un petit bout des jeux chez nous, enfin, on trouve ça incroyable. Moi j'ai eu des images de mon enfance, de la rivière aux herbes, de la pêche aux écrevisses, enfin, tout ça est remonté. C'est une belle reconnaissance qu'on ait cette flamme chez nous. Fêter le sport, fêter les jeux, c'est une vraie satisfaction. Beaucoup de temps fort pour mettre à l'honneur encore une fois aussi ce Krebs qui est un endroit assez spectaculaire pour le sport. La flamme olympique pour la première fois ici en Guadeloupe met à l'honneur tout ça. Dans ma vie, et je ne sais pas après demain si j'aurai l'occasion de revoir encore cette flamme. C'est pour cela que je suis venue ici, pour accepter cette flamme chez nous pour la première fois. La flamme Paris 2024, maintenant c'est la flamme Guadeloupe 2024. Nous sommes donnés, mais nous sommes vraiment fiers. C'est historique, c'est une première pour la Guadeloupe, il n'y a pas eu d'incident. Donc vraiment, félicitations à tout le monde, vraiment. Je suis un président content, fier, et c'est cet amour que je veux délivrer à la population guadeloupéenne. Être ensemble, être en communion pour la Guadeloupe, c'est ce que nous avons fait pour la réussite de l'arrivée de cette flamme en Guadeloupe et au niveau de ce pays de l'Europe.